La ricine retrouvée dans un appartement à Londres devait bien servir d'arme biologique en vue d'un attentat. C'est la conviction de la police britannique. Arrestation d'un 7e suspect aujourd'hui. Certains membres du groupe démantelé sont fichés par les services antiterroristes français. Des files d'attente et des bousculades monstres pour le premier jour des soldes d'hiver. 40 à 50% de rabais dès aujourd'hui. Mais d'après les commerçants, l'affluence est jugée bonne sans plus. Les rigueurs de l'hiver, levée de l'alerte à la neige dans le sud, grand froid dans le nord jusqu'à moins 12 degrés à Reims. Dans les grandes villes, ce sont les demandeurs d'asile qui se pressent dans les centres d'hébergement. La crise irakienne, Bagdad annonce le retour des boucliers humains en cas de guerre. En France, sondage Ipsos pour France 2, plus des trois quarts des Français restent opposés à une intervention militaire. Enfin, la mode, préparez-vous mesdames et mesdemoiselles, cet été va marquer le retour de la mini-jupe, version vraiment mini, dit-on. Un tour d'horizon chez les stylistes à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la menace terroriste en France, cette fois, et il ne s'agit pas d'islamisme. La police a découvert que l'organisation indépendantiste basque ETA préparait, semble-t-il, deux actions d'envergure sur notre sol. Un projet d'évasion de la prison de la santé à l'explosif, en plein Paris donc, mais aussi l'enlèvement, voire l'assassinat d'un juge antiterroriste. Mathias Sillon. ETA visait la juge Laurence Levert à droite sur cette image. Dans le sud-ouest, les documents retrouvés par les enquêteurs détaillent des lieux, des horaires, tous les déplacements de la juge antiterroriste, protégée en permanence par des policiers. Jeudi dernier, à la prison de la Santé à Paris, les surveillants avaient découvert, grâce à une dénonciation dans une cellule, un autre document, un plan d'évasion. Le plan a été élaboré dans cette division, la première, et les destinataires était pensionnaire de la seconde division, avec des précisions sur les quantités de plastique pour franchir ici la grille, la porte qui donne accès à la cour de promenade, ce secteur-là, la quantité de plastique qu'il faut pour casser ce mur, accéder à la cour de ronde, et la quantité de plastique qu'il fallait pour casser le mur extérieur et accéder au boulevard Arago. En août dernier déjà, Ismaël Escudero s'était évadé de cette même prison de la santé. Au parloir, son frère avait pris sa place. Autre précédent, l'appel en novembre 2000 du présumé numéro 2 d'ETA. Il s'était enfui de l'hôtel où il se trouvait en liberté surveillée. Le 6 décembre 2001, des clandestins d'ETA n'hésitent pas à forcer un barrage et blessent un gendarme à Auch. En France, ETA et sa logistique sont depuis plusieurs années présents sur tout le territoire. En Espagne, ces commandos assassinent des juges, des élus, des policiers. Pour l'organisation séparatiste, l'État français semble être devenu une cible, au même titre que l'État espagnol. Oui, il faut dire que la lutte que mène la France contre ETA a été marquée par une succession d'arrestations ces 6 derniers mois et 110 militants sont incarcérés sur notre sol. L'un d'entre eux, le chef présumé de l'organisation, Ignacio Gracia Arregui, doit être jugé demain et après-demain à Paris. Autre menace, nous vous en parlions dès hier, ce sont bien des réseaux islamistes qui sont mis en cause après la découverte de traces de ricine dans un appartement à Londres. Un mini-laboratoire a été démantelé. Après analyse des identités, il apparaît que certains des membres du groupe étaient connus des services français. À Londres, Laurent Boussier. Toute la journée, les policiers ont poursuivi leurs investigations dans cet appartement du quartier de Wood Green au nord de Londres. C'est là qu'ont été découvertes ces fameuses traces de ricine qui relancent en Grande-Bretagne la crainte d'un attentat terroriste. Il faut dire que le parcours des hommes arrêtés par Scotland Yard est inquiétant. 5 seraient d'origine algérienne, plusieurs sont connus des services de sécurité français et auraient été en relation avec les présumés terroristes arrêtés en décembre dernier à la Courneuve. Enfin, tous sont passés par la Tchétchénie où ils auraient combattu aux mêmes endroits et au même moment. À Londres, l'affaire qui fait évidemment la une de toute la presse est jugée si sérieuse que la sécurité autour de Tony Blair a été discrètement renforcée depuis quelques jours. On a toutes les raisons de s'inquiéter. Même si le gouvernement dit le contraire, c'est très alarmant. Pour la première fois, nous avons des preuves que des gens ont la capacité de fabriquer ces armes et aussi l'intention de les utiliser. Ce soir, plusieurs questions restent encore sans réponse. Existe-t-il un stock de ricine que la police n'a pas trouvé ? Qui était visé? Quelle est l'importance de ce réseau terroriste? En tout état de cause, l'arrestation cet après-midi d'un 7e homme prouve à l'évidence que l'enquête n'est pas finie.
Oui, l'apparition de la ricine dans un tel contexte peut surprendre. En fait, il s'agit d'un poison bien connu des services antiterroristes, 6 fois plus toxique que le cyanure et pour lequel il n'existe aucun antidote. Explication Jean-Daniel Flezaki et Mathias Barrois. Le coup du parapluie, c'est avec lui. Un dissident bulgare, Markov, fut assassiné à Londres en 1978, date de ces images, avec une seringue dissimulée dans un de ses engins. Le poison, c'était la ricine, une toxine extraite d'une plante d'ornement très répandue, le ricin, aux graines fameuses. On en tire une huile, laxative pour les humains et lubrifiante pour les moteurs. Mais dans cette graine existe aussi, en très faible quantité, une protéine, la ricine, qui ne passe pas dans l'huile, mais qui est très dangereuse. On estime que la dose létale, c'est-à-dire la dose mortelle, est de l'ordre de 10 graines pour un adulte, c'est-à-dire à peu près 1/10 de gramme pour un adulte, ce qui n'est pas beaucoup. C'est une protéine qui est éminemment toxique. La ricine est soluble dans l'eau, mais il en faudrait des quantités phénoménales pour attaquer une population. Les atteintes pulmonaires nécessiteraient aussi d'énormes quantités de toxines en aérosol. L'utilisation la plus efficace pour un petit groupe terroriste reste donc l'injection, comme à Londres en 1978. Le résultat, peu de morts, mais une psychose et une panique considérables, l'essence même du terrorisme. Et à propos de lutte antiterroriste, cette bavure du FBI, il y a quelques jours, un appel à témoins était lancé pour identifier 5 individus, photos à l'appui. George Bush lui-même l'avait évoqué. En fait, le FBI vient de reconnaître qu'il avait été manipulé par un informateur qui souhaitait obtenir en échange des réductions de peine. L'une des 5 personnes s'était reconnue. Elle n'avait évidemment strictement rien à se reprocher. Dernière minute, on l'a appris juste avant le début de ce journal, un avion turc s'est écrasé dans le sud-est du pays, juste avant son atterrissage programmé sur l'aéroport de la ville de Diyarbakir. Il y aurait à bord entre 80 et 170 personnes à bord selon les sources. Nous n'avons pas plus d'indications pour l'instant. Il s'agissait d'un avion effectuant une liaison intérieure. Nous y reviendrons bien sûr dans le cours de ce journal dès que nous aurons d'autres indications. En France, le vertige des soldes, une image d'abord, et on pourrait appeler ça les soldes de nuit. C'est original, une chaîne de magasins d'habillement avait décidé de commencer les rabais dès la première minute, c'est-à-dire hier soir, minuit pile. Colère des syndicats, mais affluence étonnante à une telle heure et par un tel froid. Notre reporter Eve Bartoli nous indique même que certaines familles avaient loué une chambre d'hôtel tout près pour être aux premières loges. Plus classique, mais plus impressionnant aussi, vous allez le voir dans certaines grandes surfaces, la course aux bonnes affaires a pris ce matin des allures de performance athlétique. Attention quand même à la bagarre. Aurélia Guillemin, Patrick Wurstorm. Des heures qu'ils sont agglutinés derrière le rideau. Il est 6h30, tout juste, l'hypermarché est ouvert, la guerre aussi. Direction le fond du magasin, c'est là que sont les bonnes affaires. Il ne suffit plus de suivre le troupeau, il faut maintenant jouer des coudes. C'est bon, je t'ai dit. Ici, tous les coups sont permis. Je suis là, mais il y en a qui sont arrivés après, qui veulent la prendre, mais bon, c'est chacun sa loi, je crois qu'ils vont m'avoir, mais bon, ça. Ça y est, vous avez ce que vous voulez? Je voulais plutôt un DVD, mais bon, de toute façon, toutes les affaires sont bonnes à prendre. Face à l'assaut, 10 agents de sécurité en renfort et 75 vendeurs. L'artillerie lourde pour accueillir une clientèle parfaitement rodée. Ils étudient le prospectus un peu avant et puis ils viennent plusieurs, 10-15 de la même famille. Ils prennent un peu n'importe quoi et puis ils font le tri. Il y a des spécialistes des soldes. En 45 minutes, les produits les mieux soldés sont vendus. Vous passez en caisse avec ça, c'est votre garantie. Télé, hi-fi, gros électroménagers, une centaine de produits à 50%. Envolé. Ça me fait quand même faire une économie de 1600 francs. Bon, ça vaut le coup d'être bousculé 2 minutes et voilà quoi. Ce matin, en 1h30, le magasin a réalisé 30% de son chiffre d'affaires mensuel. La clientèle habituelle pouvait tranquillement débarquer. On l'a dit, les affaires ont été moyennes pour les fêtes de fin d'année 2002. Les stocks à écouler sont donc très importants, avec des rabais en conséquence dès ce matin, -40 à 50%. D'habitude, c'est plutôt 30% pour les premières journées. Chose vue dans les magasins, Elisabeth Esley et Guillaume Fautra qui ont aussi enquêté sur l'application de la réglementation. Le début des soldes, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'attentes et parfois de la confusion. Les pratiques des commerçants y sont-elles pour quelque chose ?
Début de notre enquête lundi matin, avant-veille du jour J. Nous repérons quelques vêtements précis et demandons à la vendeuse ce qui sera soldé. On va faire une livraison aujourd'hui qui sera solide. Et alors, c'est une nouvelle collection, les tailles qui manquent. Non, c'est les tailles qui manquent ici, les vêtements qui sont partis, qui ont été vendus. Renflouer le stock, c'est illégal. Les soldes permettent seulement d'écouler les invendus de la saison précédente. Mais si c'est la même qualité, tant mieux pour les clientes, car il y a toutes les tailles. Quant aux articles que nous avions sélectionnés lundi, ils étaient bien là ce matin, soldés et clairement étiquetés. Autre boutique, autre pratique, des promotions de Noël le 8 janvier, en plus des soldes, c'est étonnant. Non, c'est moins 30, ça n'a pas changé, c'était des soldes avant. Bon, donc c'est pas des soldes, ça reste des promotions. Aujourd'hui, c'est devenu des soldes. Officiellement, hier, on n'a pas le droit de marquer ça. Illégal. Les prix soldés devraient être calculés par rapport à ceux des promotions, donc moins 30% une deuxième fois. Dans cette troisième boutique, beaucoup de négligence en matière d'étiquetage et de rangement. Aucun prix sur ces manteaux, seulement une indication de ristourne. Et dans les rayons, mélange d'articles soldés et non soldés avec ou sans prix barré. C'est confus, c'est interdit. Même si c'est très peu cher, le client a le droit partout à des informations précises et fiables. Et première tendance, en tout cas, malgré ces rabais de choc, cette tendance, elle était bonne, sans plus, d'après les commerçants interrogés ce soir. Les intempéries, c'est la fin de 3 jours d'alerte dans le Grand Sud. Le Redoux a gagné par l'Ouest et les précipitations se sont nettement atténuées. Images de Charente, d'Arles et de Montpellier, elles sont commentées par Éléonore Gay avec France Arvois. Des kilomètres de bouchons sur les routes de Charente ce matin. Les chutes de neige et le verglas étaient plus limitées que prévu, mais la météo en a dérouté plus d'un. Dérapages et collisions se sont multipliés. Le département s'était pourtant préparé à cette alerte de niveau 3. Aucun ramassage scolaire et des engins de salage mobilisés depuis la nuit dernière. Nous avions 30 équipes de 3 personnes qui étaient d'astreinte. Dans ce département et l'ensemble du sud-ouest, l'alerte a été levée ce soir. Dans les régions traversées par la neige en début de semaine, c'est déjà l'heure du bilan. Ce garage a bien cru ne pas pouvoir faire face aux demandes de dépannage lundi dernier, mais aujourd'hui l'entreprise fait ses comptes. Meilleure vente de la semaine, le pneu neige. C'est un marché qu'on n'a pas l'habitude de travailler parce que dans notre région, on connaît rarement des circonstances météorologiques pareilles. Ces palmiers n'auront pas eu le temps de s'enrhumer. Malgré quelques flocons cet après-midi, Montpellier devrait très vite retrouver son allure méditerranéenne. Dernières heures pour les batailles de boules de neige. La pagaille de samedi dernier en région parisienne, elle continue de faire des vagues. Cette fois, ce sont les naufragés de la route en colère qui ont été reçus au ministère des Transports par Gilles de Robien. Il s'était manifesté par écrit ou par téléphone. Rappelons que l'on attend les conclusions de l'enquête le 14 janvier prochain. Dans le Nord, je vous le disais, c'est un froid glacial qui a fait son apparition. Rien d'exceptionnel pour la saison, souligne Météo France, mais il a tout de même fait jusqu'à moins 12 degrés à Reims. Préoccupation dans les grandes villes, les sans-abri. Et ce sont les demandeurs d'asile qui sont toujours les plus nombreux. À Paris, on a même vu affluer des migrants de Sangatte. Jérôme Soulard, Bruno Livert. Ni rapide, ni trop lent. Du matin jusqu'au soir, il ne s'arrête jamais de marcher. 18 jours déjà qu'il tourne en rond dans ce quartier de Paris avec un seul objectif, lutter contre le froid. Des Kurdes d'Irak, des Afghans qui voulaient poursuivre leur voyage jusqu'en Angleterre, mais avant la terre promise, il y avait Sangatte, fermée, et surtout la police. Quand je suis arrivé à Sangatte, je me suis fait attraper par la police. Ils m'ont mis dans un bus jusqu'à Paris. Et maintenant, je suis là dehors, sans rien. Moins 4 degrés dans les rues de Paris. C'est l'heure de chercher un hébergement. Devant le centre d'accueil de la Mie de Pain, on se bouscule pour obtenir le précieux ticket d'entrée. 550 places pour la nuit, 1000 demandes chaque jour. Ceux-là n'ont pas encore compris, mais ce soir, ils dormiront ailleurs. On est dans la rue toute la journée, on n'a rien, pas d'endroit pour se reposer, pas de nourriture, rien. C'est vraiment dur, très dur. On n'a pas le sourire non plus du côté des anciens.
avec ces jeunes réfugiés venus d'Irak ou d'Afghanistan, les places au chaud sont encore un peu plus dures à trouver. Il y a compétition pour les tickets quand même. Ah oui, il y a compétition avec les tickets, oui. Ben celui qui arrive le premier, c'est celui qui l'a, hein. C'est logique. Au foyer de la Mie de Pain, une centaine d'Irakiens et Afghans espèrent ici chaque jour trouver un toit. D'autres centres parisiens connaissent les mêmes problèmes de sureffectif. Ici, la fermeture anticipée du centre de Sangatte n'arrange vraiment personne. L'émotion toujours au lycée de la Tournelle, à la Garenne-Colombes, au lendemain de l'agression au couteau d'une enseignante. L'élève de 16 ans qui a porté les coups devait être mis en examen ce soir pour tentative d'homicide volontaire. Selon des sources judiciaires, il y aurait préméditation. Sur place, les 64 professeurs n'ont pas repris les cours. Reportage Claude Poznanski, Rémi Poissonnier. C'est un peu le monde à l'envers. Ce matin, les professeurs distribuaient des tracts à leurs élèves, se justifiant auprès d'eux d'une grève qui ne veut pas dire son nom. C'est pas une grève, c'est un droit de retrait. C'est-à-dire que c'est par rapport au sentiment d'insécurité qui règne parfois, quoi, de tout le personnel, des élèves aussi. Donc on estime que l'acte qui a été commis, il fallait marquer le coup, quoi. D'accord ? Plus de cours jusqu'à nouvel ordre, les élèves comprennent, ils sont encore sous le choc. J'adore cette prof, elle fait très bien son travail. Je trouve ça inadmissible que certains élèves puissent agir comme ça, parce qu'elle fait tout pour nous, elle nous aide, elle donne de son temps pour nous. Cet après-midi, la lycéenne de 16 ans qui a poignardé sa professeure de maths a été entendue par le juge. Elle aurait reconnu avoir prémédité son geste. Pour les professeurs, il fallait aussi parler aux parents aujourd'hui, dire que la violence les concerne tous. Pour réunir tout le monde, c'est ce que je demande. Prof, élève et tout le monde, les parents, comme ça on comprend qu'est-ce qui se passe derrière. Pour le proviseur, déstabiliser autant que ses enseignants, c'est le système éducatif qui a été mis à mal. On a perdu, entre guillemets, là, on a perdu en être cher, c'est le respect de l'enseignement et de l'enseignant. Laissez-nous faire un peu notre deuil. Ce soir, la lycéenne a été mise en examen pour violence volontaire aggravée. Et commentaire sur Europe 1 de Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement. Lorsque j'avais parlé d'installer des portiques à l'entrée des lycées, on avait trouvé cela scandaleux. Mais si le professeur avait été tué, l'idée aurait été jugée moins scandaleuse. Fin de citation. La colère n'est pas tombée non plus à Angers. Après la réintégration dans ce lycée professionnel d'un élève exclu par le conseil de discipline, les professeurs se prononceront demain sur la dernière proposition du rectorat, une formation en alternance pour l'élève concerné, avec donc une présence limitée dans son établissement d'origine. Question, comment apprécier la responsabilité des parents dans certains cas de violence répétée des enfants? À Bourg-en-Bresse, le tribunal a rendu son jugement dans l'affaire de cette mère de famille poursuivie pour négligence éducative. Elle a été reconnue coupable, 1 mois de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve. Caroline Gauthier. Arrivée au tribunal correctionnel, Isabelle Perret affiche un visage grave. Cette mère célibataire restera sans réaction à l'annonce de sa condamnation. 1 mois de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve pour négligence éducative auprès de ses deux fils, des adolescents de 16 et 14 ans, auteurs de nombreuses dégradations lors de leur sortie nocturne. Je me sens vraiment, moi, punie avec cette décision de me surveiller sur 3 ans, quoi. Donc en fait, on remet bien en question mon rôle de mère, enfin, l'éducation que j'ai sur mes enfants. Cette décision, elle ouvre la porte à une dérive qui est effectivement inquiétante. Inquiétante parce que je pense que le dossier de ma cliente n'était pas le dossier type qui permettait de traiter de la délinquance des mineurs et de la participation active des parents à la délinquance des enfants. Cette condamnation avec sursis ne figurera pas dans le casier judiciaire d'Isabelle Perret. Elle a désormais le choix, s'y résigner ou bien faire appel. On saura alors si la justice fait de ce cas exceptionnel une jurisprudence. Et à propos de délinquance, on ne parle pas toujours des victimes. Plusieurs associations de victimes seront reçues demain au ministère de l'Intérieur pour une journée d'information. La question de la prise en charge, entre autres, sera abordée. Voici la chronique d'une agression ordinaire, entre guillemets, sauf que la victime n'est pas tout à fait ordinaire, elle. Il s'agit de la comédienne Danielle Evenou. Elle a été agressée dimanche dernier dans le parking de son immeuble. Elle a reçu un coup de couteau. Témoignage recueilli par Valérie Fourniou et José Boulestex.
Depuis lundi, jour de son agression, Daniel Evenot reçoit des messages de sympathie et des fleurs du public ou de comédiens choqués par l'acte d'un homme qui, pour lui voler son sac à main, l'a frappé à l'abdomen d'un coup de couteau alors qu'elle entrait avec sa voiture dans son parking. À ce moment-là, il a ouvert la porte avant gauche, c'est-à-dire la mienne. Au moment où j'étais en train de bien m'installer, ben, je n'ai pas vu le couteau arriver et il me l'a enfoncé dans le ventre, dans l'abdomen. J'ai fermé ma porte avant gauche, donc ma portière, et j'ai foncé dans mon parking avec le couteau dans le ventre. Et arrivé au deuxième niveau, j'ai senti quand même que ce couteau me dérangeait dans les virages. Je ne sais pas ce que j'ai osé faire. Je me suis arrêtée, j'ai arraché le couteau. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai jeté le couteau. La blessure n'a nécessité que quelques points de suture, car ses vêtements d'hiver ont amorti la lame. Je dois dire que ça s'appelle avoir de la chance. Mm-hmm. C'est ce que j'ai dit à Bertrand Dehanoué, qui très gentiment m'a téléphoné. Mais je lui ai dit, la différence, Bertrand, entre toi et moi, c'est que toi c'était grave parce que c'était l'été, et moi ça aurait pu être très très grave, mais c'était l'hiver. J'étais bien couverte, bien protégée. Daniel Evenot espère être rétabli vendredi prochain pour la reprise de la pièce qu'elle doit jouer à Paris. Le dossier Patrick Henry maintenant. Patrick Henry qui comparaissait à nouveau devant la justice espagnole aujourd'hui et qui a réitéré son refus d'être extradé vers la France. Rappelons qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle après 26 ans de prison pour le meurtre du petit Philippe Bertrand. Mais depuis, le Français s'est rendu coupable de plusieurs délits, notamment de trafic de drogue. Et pour la première fois, il a accepté aujourd'hui de répondre aux questions. Sur place, envoyé spécial Zindine Boudaoud, Eric Mézi. Patrick Henry dans un couloir du tribunal. Il attend sa comparution devant la Cour suprême espagnole. La France réclame son extradition. Il s'y oppose avec force. Il a accepté de nous expliquer pourquoi. C'est la première fois qu'il parle depuis son incarcération en Espagne. Unique condition, ne pas montrer son visage. Au début, je ne voulais pas faire mes responsabilités. Je savais que j'avais quitté le territoire français sans demander l'autorisation. Enfin, je vous dis, j'étais prêt à venir m'expliquer. Une fois que l'affaire du hashish serait réglée ici, j'étais prêt à rentrer en France sans aucun problème. Bon, avec tout ce qu'on essaye de me mettre sur le dos, non. Et il dénonce ce qu'il croit être une machination, un complot monté par on ne sait qui. C'est comme ça qu'il explique les images pédophiles retrouvées chez lui. À mon avis, tout ça, c'est pour faire pression, pour obtenir mon extradition. Et plus on en met, plus on a des chances d'obtenir mon extradition. C'est pour ça que j'en fais. Patrick Henry accepte mal l'idée d'être extradé vers la France pour avoir commis un délit sur le sol espagnol. Un délit qui ruine les chances de réinsertion d'un homme devenu un symbole, qu'il le veuille ou non. Moi, j'ai jamais été d'accord pour être le symbole de quoi que ce soit. Hein, on me fait faire 25 ans de prison, puis après on me dit, tu vas être gentil, tu vas être le modèle de tout le monde. Non, je suis pas d'accord, je suis le modèle de personne. En réalité, moi, ce que je voudrais, c'est être le symbole de rien, qu'on me fout la paix. Patrick Henry sera fixé sur son sort dans quelques jours à peine, mais son retour est inéluctable. La justice espagnole semble décidée à satisfaire au plus vite la requête des autorités françaises. Et puis on reparle aussi de l'affaire Buffalo Grill. La justice s'est-elle emballée? Critiquée en tout cas pour son empressement, la juge Berthella Geoffroy a demandé au parquet de rendre publique toute la procédure, information du journal Le Monde, le parquet qui pour l'instant n'a pas répondu. Dans le même temps, l'action Buffalo Grill, suspendue pendant plusieurs semaines, a été à nouveau cotée à la Bourse de Paris. Elle s'est effondrée. Il faut dire que la fréquentation a baissé de 40% dans les restaurants depuis la révélation de l'affaire. Le Canard Enchaîné a publié aujourd'hui un nouveau document qui mettrait en cause la gestion des stocks de viande. Là encore, il faut rester très prudent. Alix Bouillaguet, Laurence de Cherf. Oui. Sur le bureau du patron de Buffalo Grill, un slogan choc, l'épreuve rend plus fort. Clair et fort. Cette semaine, le groupe de restauration a décidé de passer à l'offensive. Une campagne de communication qui démarre, mais qui n'arrête pas pour autant les mauvaises nouvelles. Ce matin, l'action de Buffalo Grill faisait son grand retour à la bourse après 3 semaines de suspension. Bilan de la journée, le titre a perdu près de 39% de sa valeur. Autre coup dur pour le groupe cette fois-ci, il s'agit d'un mail daté du 3 septembre 2001. Bertrand Béréou en est l'auteur. Bon, les gars, on y va. Entre 1999 et 2001, il était responsable du service qualité de Buffalo Grill. Dans un courrier électronique envoyé au gérant d'un restaurant du groupe, il évoque une livraison de viande et écrit
C'est un stock de pavés fait pendant la vache folle. Il faut le passer absolument. Une phrase ambiguë sur laquelle il s'explique. Lorsque je parle de crise de la vache folle, pour nous, pour Buffalo, c'est un moment précis qui correspond à 2001, au début de l'année 2001. Selon lui, il s'agissait donc bien de la période de la crise de la vache folle et non de viande anglaise frauduleusement importée. Il assure même qu'à cette époque, le groupe s'approvisionnait au Brésil. De quoi jeter le trouble, d'autant que l'exportateur britannique soupçonné d'avoir fourni à cette époque Buffalo affirme de son côté n'avoir jamais vendu de viande à l'entreprise française. Les suites de l'occupation de l'usine Daewoo en Moselle, le médiateur se prononce en faveur du redressement judiciaire. Et surtout, dernière minute, la CGT, Force ouvrière et la CFTC viennent de lever leur ultimatum. Un accord a été trouvé avec les pouvoirs publics. Je vous rappelle que certains salariés menaçaient de déverser des produits chimiques dans la rivière voisine. Autre actualité sociale, le patron de l'usine Palace Parfum, qui avait été vidé pendant les fêtes, a refait surface aujourd'hui. François Baudonnet. Première confrontation houleuse cet après-midi entre les ouvriers de Palace Parfum et leur ancien patron. Moi je dis que vous êtes partis en toute hâte, vous avez laissé une merde phénoménale dans les vestiaires, les deux partout, dans les appartements, vous avez même piqué les placards, les fours à micro-ondes, et d'après vous tout ça est en location. C'est du vol manifeste. Lundi, les 46 salariés de cette entreprise avaient trouvé porte close, les machines envolées, les bureaux vidés, sans aucun préavis de la direction. Aujourd'hui, François Fillon, le ministre des Affaires sociales, parle d'une opération frauduleuse. Et pour la première fois, donc, l'un des responsables de l'entreprise s'exprime publiquement. Si, après enquête, il est démontré qu'il y a une opération frauduleuse, j'en assumerai les conséquences. Les conséquences, elles sont pour l'instant pour les ouvrières, même si la démarche de leur ancien patron, aujourd'hui au tribunal, devrait leur permettre de toucher les allocations chômage. Dès demain, un représentant du ministère de l'Emploi se rendra dans l'usine pour parler de reclassement. L'actualité à l'étranger, d'abord la crise irakienne. Bagdad est décidé à recourir en cas de guerre à la stratégie des boucliers humains, comme en 1991. Déclaration du vice-premier ministre Tariq Aziz. Un bouclier qui serait mobilisé autour des dépôts de nourriture, des raffineries et des centrales hydrauliques et électriques, mais pas autour des objectifs militaires à proprement parler. C'est ce que déclare donc Tariq Aziz. En France, les déclarations de Jacques Chirac appelant hier les militaires à se tenir prêts ont été interprétées par certains comme une préparation de l'opinion à une guerre et donc comme une inflexion de la position française. Écoutez François Hollande, premier secrétaire du PS, et la réponse de Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense. Jusqu'à présent, l'attitude de la France, c'était de dire il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit saisi avant toute intervention et nous ferons tout pour empêcher la guerre. Aujourd'hui, le président de la République a déclaré qu'il fallait se tenir prêt. C'est une évolution et elle est sérieuse. Notre position n'a absolument pas changé. Le président l'a toujours dit. Ce que nous voulons, ce qui est indispensable, c'est que si l'Irak détient des armes de destruction massive, on le sache et on les élimine. Ce que l'on souhaite, effectivement, c'est d'abord cela. Et pour nous, il est évident que la guerre est toujours la plus mauvaise solution. Il faut essayer toutes les autres solutions et que la guerre ne peut être qu'un dernier recours. Le Front National, lui, reproche à Jacques Chirac son alignement inconditionnel sur les États-Unis. Fin de citation. Sondage Ipsos pour France 2 et Le Figaro. 77% des Français interrogés se disent opposés à une intervention militaire en Irak. Un chiffre plutôt en augmentation depuis plusieurs semaines. Sondage dont vous découvrirez d'autres aspects demain dans la nouvelle édition de 100 minutes pour convaincre à 20h50 avec Olivier Mazerolle, invité Dominique Strauss-Kahn. Crise irakienne, guerre larvée au Proche-Orient, ce climat international très lourd n'est pas sans conséquences dans certaines grandes villes cosmopolites d'Europe occidentale. Exemple, à Anvers, en Belgique, l'extrême droite y a fait récemment une percée et depuis quelques semaines, une Ligue arabe européenne aux déclarations parfois ambiguës a fait son apparition. La crispation en tout cas est très nette entre les communautés. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Jérôme Bonny, Dominique Bonnet. Voici ceux qui font peur aux autorités belges. De jeunes arabes effectuant des patrouilles nocturnes pour rechercher des témoignages sur d'éventuelles exactions de la police d'Anvers.
Si vous avez des problèmes avec les flics, parce que vous savez, il y a des racistes parmi eux, appelez-nous. Regardez, au dos, il y a des numéros de téléphone. Ronde de nuit inventée par la Ligue arabe européenne, qui regroupe 1 millier de membres, une organisation qui se lance dans la politique, travaille avec les partis d'extrême gauche, milite pour une défense culturelle et ethnique de la communauté d'origine immigrée, essentiellement marocaine. Ici, on a un corps de police infiltré par l'extrême droite, par le Vlaamsblok, un parti qui est comparé au Front National. Le Front National est un parti démocrate comparé au Vlaamsblok. Il y a des militants du Vlaamsblok qui vont aux réunions du Vlaamsblok le soir et le matin, ils vont à leur travail dans la police, ils mettent leur uniforme, ils portent leur arme et ils sortent dans la rue. Les accrochages sont fréquents avec cette police dans laquelle le Vlaamsblok revendique 40% d'électeurs. Yap Aboujaja est toujours dans la mêlée. Et les élus d'extrême droite n'ont pas de mots assez durs pour son organisation. Tout d'abord, il faut éliminer le cancer qui est la Ligue arabe européenne parce qu'ils sont en train d'intoxiquer toute la communauté arabe dans notre ville et dans notre pays. Deuxièmement, il faut clairement dire qu'il faut, pour les arabes, il faut choisir entre l'assimilation ou le retour dans leur propre pays. Aboujaja ne cesse de répéter autour de lui « Restez arabes ». Et c'est ce discours qui dérange. Nous sommes à 100% contre l'assimilation. Dans un état de droit, il n'y a pas seulement séparation entre religion et État. Il y a aussi séparation entre culture et État. L'État, il doit être religieux, mais il doit aussi être culturel. Aboujaja mobilise régulièrement cette communauté arabe dans la rue, sous la bannière de la cause palestinienne. Dans le vieux quartier des Diamantaires, la communauté juive a longtemps vécu en bonne entente avec les musulmans. Mais elle subit aujourd'hui les dérapages de ces manifestations. Ils sont mis à casser les vitres et tout. Et puis ils ne criaient pas, ils ne tapaient pas sur Israël, ils tapaient sur les juifs. Ils ont crié « Yehoud ». Antisioniste, mais pas anti-juif, affirme Aboujaja. On peut lire sur son site internet, en vert, « Bastion du sionisme va devenir la Mecque de la cause palestinienne ». Aboujaja n'est pas un islamiste, mais son organisation pousse les Arabes à se replier sur eux-mêmes. Elle peut ainsi favoriser certains fanatismes dans la vieille cité flamande, où les frictions entre communautés sont aggravées par les événements au Proche-Orient. En France, cérémonie aujourd'hui dans une synagogue du 15e arrondissement de Paris après l'agression vendredi du rabbin Gabriel Fari. Parmi les présents, Nicolas Sarkozy, mais aussi Laurent Fabius, Alain Juppé, Édouard Balladur, vous le voyez, et Lionel Jospin. L'enquête suit son cours, la police n'exclut aucune hypothèse, règlement de compte ou acte d'antisémitisme. À Nice, dans une résidence d'aspect très tranquille, c'est une famille d'origine maghrébine qui a porté plainte contre les gardiens de l'immeuble. Elle se dit victime d'actes de racisme caractérisé. Reportage Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Elle s'appelle Amel, espoir en arabe. En novembre dernier, sa mère la porte encore dans son ventre lorsqu'elle est agressée dans son immeuble. Elle m'a traînée par terre. J'étais enceinte, je devais tenir moi parce que... Ben, il m'avait fait mal et j'ai été hospitalisée d'urgence parce que j'avais des contractions et on ne sentait plus le bébé. Celui qu'elle désigne comme son agresseur... Arrêtez de nous emmerder, vous partez tout de suite, on n'en a rien à foutre de vous. Hein, c'est le gardien de l'immeuble. Pourquoi ils emmerdent le monde, mais comme ils font tous, hein, ils crachent partout, ils dégueulassent tout, ils emmerdent tout le monde, ils vont dégager, point final. Le premier incident date de septembre 2001. Yasmina, son premier enfant dans les bras, demande au gardien de changer une ampoule défectueuse dans l'entrée. Sa réponse figure sur procès verbal, ferme ta gueule, sale bougnoule. Le gardien la menace ensuite avec un 22 long rifle. Il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis. Depuis, les accrochages se multiplient. Le syndic de l'immeuble maintient le gardien à son poste. Moi, je ne peux pas licencier le concierge parce que je n'ai pas de raison. Les copropriétaires de l'immeuble ont trouvé une raison pour demander l'expulsion de la famille à lui. Un problème de stationnement. Le gardien, lui, bénéficie d'un soutien quasi général. On pense qu'il n'est pas fautif. Nous, on voulait quelqu'un qui fasse son travail. Il fait son travail. Par peur des représailles, les rares voisins à soutenir la famille à Louis n'ont pas voulu nous répondre. Partir parce qu'on a des pressions, non, on ne partira pas.
La famille Aloui a déposé une nouvelle plainte contre le gardien pour violence volontaire et injures à caractère racial. Elle espère la voir aboutir rapidement. La marée noire, image des côtes entre Royan et l'Île-Dieu que notre envoyé spécial Dorothée Cochard a survolé tout à l'heure. Pas de traces de nouvelles arrivées de boulettes de pétrole et pas non plus de nouvelles galettes en Gironde, même si le nombre des chantiers de dépollution a augmenté. 22 sont désormais ouverts, contre 10 hier. Le ramassage ne fait que commencer, mais déjà se pose la question du traitement des déchets à Bassins, près de Bordeaux. Éric Perrin, Philippe Dumel. Ces filets arrivent du large. Ils ont servi à capturer quelques plaques d'hydrocarbures provenant du Prestige. Qu'en fait ? En Gironde, on a choisi de favoriser l'élimination plutôt que le stockage. Alors depuis cet après-midi, des bennes contenant le mélange de fioul et de sable ramassés sur les plages se succèdent dans cette usine spécialisée dans le traitement des produits industriels dangereux. Première étape, analyse dans ce laboratoire, avec tout d'abord un test aussi simple qu'essentiel, la flamme du briquet. Alors l'objectif des analyses est de déterminer la filière d'élimination du déchet, savoir s'il va passer en filière incinération. Les analyses chimiques et la mesure qualitative des toxiques ont démontré que les hydrocarbures provenant du Prestige pouvaient bien être incinérés. On le sait, ce fioul est extrêmement nocif, cancérigène. En le brûlant lentement dans ce four tournant, à plus de 1000 degrés, on va pouvoir casser les molécules. Le principe est de faire disparaître complètement la nocivité du produit. S'il reste dedans des traces de chlorure, par exemple, de métaux lourds et des produits toxiques de ce type, on a une unité de traitement des fumées qui permet de stopper tous ces produits toxiques. Coût du traitement, 370 euros la tonne. Malheureusement, à cause du sable collé au fioul, on estime qu'il faut brûler 10 tonnes de déchets pour éliminer une tonne de pétrole. Une information encore, le Nautil a colmaté 5 des 20 fissures du Prestige. À 270 km donc au large de la Galice, au fond de la mer. Les sciences, le télescope spatial Hubble repousse un peu plus les limites de notre connaissance. Grâce à un effet de miroir naturel, le télescope a permis l'observation d'étoiles à 13 milliards d'années-lumière. Nicolas Châteauneuf, Alain Poirier. Jamais le regard de l'humanité ne s'était enfoncé aussi loin dans l'univers. Certaines de ces galaxies sont situées à près de 13 milliards d'années-lumière, une distance tellement grande qu'elle en est difficilement imaginable. L'observateur, c'est lui, le télescope spatial Hubble. Cette fois, les astronomes américains l'ont pointé sur un amas de galaxies tellement massif qu'il déforme la lumière, comme ici sur cet arc. Ils s'en sont alors servis comme d'une gigantesque loupe pour observer des étoiles beaucoup plus lointaines, mais aussi beaucoup plus anciennes. Comme la lumière met un certain temps à nous parvenir, eh bien, en fait, on observe ces galaxies telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Et donc c'est une manière de voir comment l'univers était lorsqu'il était jeune, disons, avant qu'il évolue. Cette découverte recule une nouvelle fois les limites de notre champ de vision. Elle confirme également, de manière éclatante, les théories élaborées au début du siècle dernier par un certain Albert Einstein. Plus près de nous, la mode, et je vous le disais, le grand retour de la mini-jupe, apparue dans les années 60, elle symbolisait la libération de la femme. Eh bien, la mini-jupe sera de toutes les collections printemps-été 2003, Estelle Colin, Claude Barnier. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me moque. 1966, la bombe est lancée, elle s'appelle mini-jupe. Mais voilà, cet été, elle perd un peu de son innocence. La mode invente la micro-jupe sexy et provocante, un peu comme un appel au sens. Fini le côté bon enfant, les créateurs ont donc tous donné un sacré coup de ciseau. Pourtant, au-delà de l'effet de mode, certains voient en ces quelques centimètres de tissu un bon présage. Les jupes s'allongent quand tout va mal, les jupes raccourcissent quand tout va bien. Donc il va se passer un phénomène extraordinaire, très positif en France en 2003 pour que tout le monde ait exprimé la mode par des mini-jupes. La mini-jupe avec elle, c'est la planète tout entière qui s'enflamme. La guerre des ourlets a commencé.
En 67, Coco Chanel la qualifie de ridicule. Et en Grande-Bretagne, les agents de la circulation tentent de faire face aux embouteillages. 200 000 mini-jupes vendues en France cette année-là. Chez Courrèges, on se souvient du phénomène. On a raccourci l'ourlet juste au-dessus du genou, qui faisait déjà 32 cm de moins par rapport au mollet. On s'est fait sortir de tous les restaurants de New York avec nos mannequins. Alors, cet objet de désir fera-t-il couler autant d'encre l'été prochain ? Réponse dans quelques mois. Un mot de football avec le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Affiche choc PSG Marseille. Ce sera le 25 janvier au Parc des Princes. Vous découvrez les autres rencontres. La 7e étape du Dakar arrivée à Ghat en Libye. Deux Français aux premières places. Catégorie moto Richard Stinct. Catégorie voiture, Stéphane Peterhansel. Ces deux Français sont également aux premières places du général. Stéphane Peterhansel qui partage donc ce classement avec Jean-Paul Cotteret, son copilote. À quoi servent exactement ces équipiers qu'on dit indispensables, Julien Baume? Quand le copilote se trompe, voilà ce qui arrive. Son rôle à bord, indiquer la route, dénicher les pièges. À peine arrivé, le carnet de route du lendemain est distribué. T'as reçu le roadbook. Première opération, le décoder pour faciliter la vie du pilote. Lui, il tient le volant et il agit sur les pédales. Et moi, j'essaie de lui dérouler le tapis rouge. Dans ce couple, tout est une question de compréhension. C'est la première fois que je navigue avec mon copilote en anglais. Et donc il me dit straight right, moi je vais tout droit. Et en fait, il fallait à la droite, on a fait ça deux fois. Avant, Stéphane Peterhansel était en moto. Il se dirigeait seul. En voiture, il a dû apprendre à faire confiance. J'ai fait mon premier rallye automobile avec le même copilote que j'ai aujourd'hui. Et au bout de 50 km, toutes les traces des motos partaient à droite. Et lui me dit « pars à gauche ». Je lui dis « mais attends, c'est pas possible. Toutes les traces des pilotes qui sont devant nous partent à droite, c'est pas possible ». Il me dit « pars à gauche ». On est parti à gauche et en fait, s'est avéré qu'on était les seuls à avoir pris la bonne piste. Des copilotes très recherchés. Sur le Dakar, on les appelle des navigateurs, alors forcément, les marins ont la cote. Il est certain que dès qu'on est dans des coins où on n'a plus de repères, notamment sur une mer où tout est lisse, ou dans le désert où il n'y a pas grand-chose, il faut arriver à avoir d'abord un espèce de sens de l'orientation pour savoir où on va. L'inconvénient, c'est que de plus en plus de copilotes veulent prendre le volant. Une seule équipe a trouvé la solution, Thierry Magnaldi et Christian Lavieille. Il change de place à chaque étape. Avant de refermer ce journal, une toute dernière précision sur cet accident d'un avion des lignes intérieures turques dont nous vous parlions en début de journal. Il s'agit d'un accident dû, semble-t-il, à un épais brouillard. L'avion s'est écrasé tout près de Diyarbakir, dans le sud-est du pays. Il y avait 74 passagers et membres d'équipage à bord. Il y aurait 8 ou 9 rescapés, d'après la télévision turque. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet. Attention au froid qui persiste. L'info sur France 2, dernier journal, 1h, Laurent. En Spiquette dès 6h30 télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Ernest Antoine Sellière. On se quitte avec ces images peut-être édifiantes et symboliques de notre époque. La mise à la retraite des chimpanzés du zoo de Berlin. Ils sont jugés trop vieux pour attirer les visiteurs. Des jeunes prendront leur place et ils seront envoyés en Chine. Cette affaire soulève tout de même de nombreuses protestations en Allemagne. À demain.